je te disais, le troisième aux Universiades en moins de 66, c'était à Shenzhen. Moins de 66 kilos. Il avait été héroïque. Et il avait été, il a fait partie de l'équipe, donc était médaille d'argent derrière le Japon. Je crois en ce garçon, il a un gabarit. Normalement, s'il continue. Oh, tu vas un peu vite, Jean-Jacques. Ah, mais enfin, bon, je pense qu'il a raison. Une défense, un chilo. Ouais, parce que une défense tout de suite à genoux, il s'est mis directement à genoux, ouais. Pierre Duprat. Donc, C'est vrai, remarque. Quelquefois les arbitres. Oh là 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 là. Oh, il était. Pourtant, il a cru qu'il était placé sur les troncs devant. En plus, ça a de l'allure, hein. C'est, voilà, ouais. Ça, j'adore. Hein. Ah, ouais. Voilà, ben, ça démarre bien. Le spectacle est lancé. Le spectacle est lancé. Et attention. Ça peut partir des deux côtés. Voilà. Tentative de Sankaku Jime. Voilà, hop. Non, mais c'est bien contrôlé. Bien contrôlé de la part de Pierre Duprat. Bonne défense. Ouais. Kouchi et puis. Kouchi. Ouais. Sont pas trompés dans la mouillette. Oh, papa, il a failli le surprendre sur le balayage là. Hop, et là il le prend sur le contre, en donc contre. Il marque Yuko. C'est et ça, pour, c'est bon, voilà, c'est bon. Pierre, elle est bien mise. Pour Pierre Duprat, très très enfin, belle. C'était pas une moulinette, c'était une défense. Mais ouais, bon. Défense exagérée sur à genoux. Bon, ouais, bah là il profite de son gab là, avec ses grandes pattes. Il arrive à le faire. Petite cisaille, bien sûr. Ouais. Il ne doit pas être facile à prendre. Tu te rappelles de Clyde ? Oui. Hein, qui est décédé maintenant. Il me rappelle un peu Clyde, physiquement. Ouais, c'est un grand longiligne. Ça procède par séquences très très courtes en fait. C'est Hajime, Maté. C'est vraiment très très court. Il n'y a pas de longs échanges. Enfin, c'est pas du travail de fond de cours, quoi. C'est de la montée à la volée. Du service volé, du maté volé. Les deux dangereux, ils l'ont prouvé tout au long de la journée. Une accélération de Pierre Duprat avec cette montée de main, il s'installe sur son kumikata, mais c'est bien, bien défendu, bien contrôlé par Urali. Lui aussi prend une Moulinex. Un avertissement gratuit. On donne pas la manche. Voilà, il a réussi à saisir, mais attention, la main qui passe dans le dos. C'est petit. L'impact.
il reste. Oh, magnifique! Oh là 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 là! Wazari! Limiti pour Dylan. Wazari Pont? Ouais. Oh, c'est beau, hein? Super beau. Magnifique. Il a sorti un très très bel Uchimata sur sa montée de main. Il était se replacé, ouais, il a mis un coup de hanche quand même au milieu parce que vu la grandeur de jambe de. Ah ouais, effectivement sur l'impact c'est Wazari, ça tourne après. Ouais. Ils auraient annoncé Ippon. Ouais. Voilà quoi. C'est jouable. Magnifique, magnifique Uchimata à gauche sur cette montée de main. Et attention. Alors ça change la donne. Hein. Complètement, ça inverse ce qu'un Wazari et un Yuko. Et il reste une minute. Là donc ça va être voilà. Attention sur ce déplacement latéral au balayage. On est dans la dernière minute je crois. La nouvelle pénalité à l'encontre de Pierre Dupraz qui fait que encore une. Laurent Urani a deux. Aïe, ça y est. Florent Urani a deux. Et il gagne. Voilà, c'est ça, mais il reste quoi, 40 ah, ça peut suffire. Ouais, ça peut suffire, effectivement. On l'a vu tout à l'heure, avec en particulier avec Kylian Leblouch contre David Larose, où ça s'est accéléré sur la fin. Et le rythme des pénalités s'est accéléré aussi. Peut-être. 27 secondes. Alors là il s'installe. Ah, ça va, là il a la manche. Là, il s'installe, il a pris la manche. Ouais, ça va. C'est mort. Normalement c'est mort. 11 secondes. Maintenant, c'est lui. Aïe, 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 aïe. Ah non, 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 ils ont... À une seconde de la fin, cette dernière attaque, elle était un petit peu limite de la part de Pierre Dupraz. Mais c'est bien, il est content. Il...